qui n'a pas de disposition. Oui, nous saluons Gilles Célestin, au plaisir pour nous gagner en intersection avec Jodia. Tout plaisir, c'est pour moi, Jean Monard. On a profité pour me féliciter pour l'émission. Son émission semaine ça qui est vraiment important pour tabler vérité dans cette population haïtienne. Donc nous profiter tout à la même occasion pour nous saluer auditeurs de Radio Caraïbio et nous saluer toutes partisans nous, tout le monde qui était supporté nous, qui était aidé nous dans l'élection qui s'est passée. Nous remercions et nous disons que notre bataille là dans route, bataille là à fête. Et victoire, c'est pour peuple capitulé. C'est ça. Alors, dis-nous comment moral là y est, puisque c'est des mois de campagne. Elle me dit ça, t'es déjà gagné avant, élection pas de fête, et puis reprendre ni en pile engagement personnel. Alors, élection en fête. Et m'ta cap dit, même si processus là pas fini, mais gon petit sentiment de frustration quand même. Comment on vive ça, et de l'intérieur de vous-même, etc. Et puis, avec épisode Anacassis, responsable propre parti ou, donc c'est en pile frustration. Comment ou même ou traverser tout ça, comment moral là y est? Bon, ma réponse simplement, ma besoin en homme d'État. Ça veut dire, nous qu'imbé sérénité, non, c'est sûr que c'est une campagne qui est épuisante à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau physique, mais au niveau moral, les affermis, les raffermis convictions politiques, non, convictions comme monde que nous gagnons. Pour nous faire que les pays noirs sont l'autre pays. Donc, au niveau moral, nous avons dit que c'est le beau fixe, ça veut dire nous très motivés, mais nous, effectivement, il y a eu beaucoup de fatigue, des pile fatigue physique, et puis en pile dépense. En pile dépense, d'autant que la grande question, c'est que nous connaissons que c'est dans une élection nous allons. Donc, l'homme nous choisit pour candidat, mais toujours dire le premier réaction, il faut qu'on fait institution. Cap diriger le pays, cap mener le pays, il faut qu'on toujours fasse confiance comme institution. Et jusqu'à ce que, naturellement, ils montrent que ils n'ont pas mérité confiance, mais au moins, on nous parle de crédit pour nous dire que si il y a des faiblesses au niveau institutionnel, ou même qui briguent votre magistrature, là, qu'on ait qu'on ait responsabilité lorsqu'ils viennent en poste là, pour même pour renforcer institutionnellement. Donc, c'est clair que gagner des mondes qui effectivement capable de gérer problème ça yo un petit genre mal yo capable de gérer stress mal et c'est pas grave c'est grave pour yo mais c'est pas grave pour l'autre monde. Ça qui est important c'est que nous connaît que nous-mêmes nous avons responsabilité vis-à-vis de population, nous avons responsabilité vis-à-vis de pays nous et nous connaît faut nous mener à bon port, faut nous mener à terme. Donc nous rester non moral non j'en sorte dit à l'heure nous rester bien. Nous étions bien tête, nous étions en harmonie avec nous-mêmes, parce que ça n'a fait, nous croyons que nous fait pour la bonne cause. C'est ça. Alors, comment rapport y est aujourd'hui avec Anna? Écoutez, Anna est le coordonnateur du Parti La Paix. Et moi, je dis, c'est malgré que nous gagnons effectivement une différence d'âge entre nous, mais c'était condisciplement à l'école. Donc, ça veut dire, moi, je crois que problème ça yo nous pral résoudre dans parti en quatre parties. Parti a gain un statut et statut a défini, il y a un règlement interne, il définit qui genre de problème ça régler. Donc nous ta aimer quand même que nous régler au niveau de parti mais nous pas régler au niveau de la presse genre la prégue là. Mais il y a pas de problème entre Jude Célestin et Hector Anacassis. D'accord. Et bon, d'autant que me connaissons son militant qu'on connaît de longue date, grand pile rumeur qui était circulé à la suite des interventions et Omar Arak bon côté m'na là qui connaît ni ou ni Anna, t'es vraiment très virulent dans ses propos contre Anna, contre ça Anna t'es fait. Une bonne expression t'es utilisé oui pour Anna. Fais-moi songer Omar et moi pas songer peut-être pas songer vraiment. Ah mais OK, n'a pas le retourner sur ça. M'a profité saluer Omar. Excusez-moi pour saluer Omar Gara qui effectivement c'est un monde qui connaît très bien. Alors Jude Célestin, moi pas connons sous facette fighter
Par contre, on est comme si qui compte goumer tout bon et voilà qu'on engage une bataille là et nous t'as cap dit apparence on ti gens contre ou même mais est-ce que ça pas déranger et vous pensez que processus électoral là pas fini et gagne des rebondissements possibles toujours. Écoutez, nous songeons en plus l'intervention que nous avons fait même au niveau de communauté internationale là. Des gens des mots ont certains temps qui te sortent son note qui te dit que élection bien passée. Mais t'es Dieu Picard confond le jour du vote avec les élections. Le jour du vote est le jour du vote, mais les élections ont commencé depuis les campagnes lancées, l'inscription en fait, et au fini les résultats définitifs là pour nous. C'est là ça élection finie. Donc moi quoi que penser que nous sommes fighters, il faut être très conscient que gagnons espace ou occupé. Au niveau de société, au niveau de social haïtien, hein, pour y là, c'est goumé pour goumé. Parce que pas de cadeau. Moun da fait moun cadeau. Ça veut dire, tout son moun gagne, c'est goumé, goumé pour gagne. Et moi-même, c'est goumé, goumé pour moun gagne, c'est là. Et ma continue goumé pour mal, plus loin que vous là. Oui, non. Là, vous parlez nous de oui, de travail, hein. Mais, en tout cas, personnalité, hein, toujours, on monde qui est extrêmement conciliant, et qui pas, et, d'accord, donc, bagarre, ouais, on est qui, et pété scandale, et c'est ça, comme si c'est ça, me lit dans personnalité, oh. Et, mais là, où trouvons nos situations koto en première ligne, c'est où même qui vivait dans, élection prise et un résultat préliminaire en deuxième position qui si t'a éventuellement t'es gon deuxième tout c'est à doué ou même et voilà que et c'est ou même qui t'es bloqué en première fois et jeudi encore voilà qu'on contesté donc ça veut dire c'est un tempérament que je ne vous connaissais pas que vraiment après na ou c'est ça m'a envie dit c'est une bonne chose qu'on a découvert c'est une bonne chose qu'on a découvert et même pas quoi que c'est juste qui bloqué un processus ou pas. C'est moun qui mal fait le blocage. Et ça, faut le clair. Ça veut dire, le, écoutez, nous-mêmes, nous faisons tout ça, nous devons faire la marche. Le, et, aller dans le centre de tabulation, effectivement, c'est une question d'observateur pour être voyé, que toute partie était autorisée, voyez, dans le centre de tabulation, hein. Là, nous visons, nous, ouais, que, bagaille pas fait bien. Nous, pas fait bien parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de contrôle de qualité que était supposé gagner. Le SAD, nous, écrit, en correspondance, donc c'était le 23 ou le 24, le 24 pour être plus sûr, le 24 nous est en correspondance, on a agité article, certains articles, parmi lesquels l'article 158.1, on nous dit qu'il y a un problème au niveau du système de tabulation. Donc il faut mettre de l'ordre dans ce désordre, parce que sinon, que bagaille ça peut entacher à l'avenir, et nous te prévoir ça, oui, nous dit ça peut entacher à l'avenir le processus à lui-même. Donc il peut entacher. Donc, il faut faire attention pour ne pas rentrer dans une dynamique de ce qui s'est passé en 2015. Donc, il faut que nous corrigions. Dès le départ, ça peut être corrigé. C'est responsabilité. Et c'est le pour le corriger. Donc, nous, aviser le souli. Ils n'ont pas occupé nous, ils n'ont pas répondu nous. Ils nous ont répondu le 28 novembre à 1h du matin. Ils répondent nous par courriel pour dire que nous, et que c'est presque pas un rôle pour faire. Et que c'est pour nous régler, si pour nous régler, c'est au niveau contentieux qu'on a réglé. Ça veut dire, à la base, un problème qui aurait pu être résolu, parce que le décalé résout bien avant, c'était un contrôle de qualité, le décalé dit bon, ça n'a pas bon, il n'y a pas professionnalisé le mangement, d'autant que il y a des points, 14 points, que il a clairement dit, point ça, yo, mais point qui pour faire que un procès verbal bon, ou bien pas bon. Il a dit non, et que c'est peut-être, déjà, là, on a corrigé, on a fait un petit élément de grammaire, vous. Il y a confondre peut-être adverbe là, le peut-être à qui contrait d'union là-dedans, peut-être. C'est deux verbes. Ça, non, c'est très important. Oui, oui, oui. Parce que, il y a un monde qui a envie de cacher d'elle, vous dit non, c'est peut-être avec du peut-être ou qu'à faire, peut-être ou qu'à pas faire. C'est pas ça. Peut-être, c'est des bouquins à remplacer, c'est sa grammaire là, il dit des bouquins à remplacer par pourra être, ça veut dire que, il n'y a pas de trait d'union entre eux. Donc, ils ont des bagages qui sont bien spécifiques, qui disent, mais qui l'ont pas valable, mais qui ne l'ont pas valide. Donc, là, nous sommes on a tiré la sonnette d'alarme pour nous dire, faites attention. Parce que nous ne pouvons pas mener les pays à l'autre, Kachaboumbe encore. Donc, il faut éviter ça. Donc, nous faisons lui. Et nous faisons tout processus-là. Bon, nous faisons lui, il a écrit la jour, il a publié les résultats préliminaires.
nous fait et on requête, nous constituer un conseil d'avocat qui vient avec qui vient à la tête de Maître André Michel qui nous constitue on m'a profité de remercier le travail que l'a fait hein, et nous constituer un corps un conseil d'avocat et là nous fait lui nous signifier nous dit mais requête nous hein, nous bail tous les éléments que nous te gain à disposition éléments que nous te constaté au niveau de centre de tabulation hein, éléments que nous te stipulé au niveau de l'EP que nous t'ai écrit, hein, pour nous dire, mais ça t'a fait. Premier bagaille, j'étais grand paquet de problèmes au niveau de et BCED, pour les faire des CEDA, ils voulaient faire l'autre genre. Bizarrement, au lieu que j'étais tiré au sort tout mon jugio, c'était trois juges qui étaient présents, ils voulaient faire avec trois juges à eux. Déjà, il y a un vice là, qui commençait bien vice. Bon. Et tant bien que mal, yo fini par tant délit, yo t'ai commencé à faire BMI, nous venons, et on t'y chant, but soukou, et puis finalement, yo fait, bon, il yo dit que yo incompétent, et que yo a préféré nous à BCEN. Mm-hmm. N'allez dans BCEN, article 18 là clair, et yo même tout, dans l'œuvre que yo t'ai écrit, non, yo t'ai très clair. Yo t'ai très clair, oui. Alors, yo prend des engagements, que même yo va avec un B. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là, nous venons, nous, il a écrit nous bon on parti là parce que bon prend papier rapidement bon parti dans la portion la lettre que il a écrit là. Allô? Oui nous là. Ah oula, OK. Il a dit espérant que le candidat à la présidence du parti la paix convaincu des voix et moyens à sa disposition pour exprimer ses dires, le CPV réaffirme sa détermination à conduire le processus bon tout le français qui l'accompagne. Et puis il dit comme ça que dans le respect scrupuleux du décret électoral du 2 mars 2015. Respect scrupuleux du décret du 2 mars, il y a un article 18 là-dedans qui est très clair, qui dit le BCN, siège au Conseil électoral provisoire, il se compose de 3 sections. Gagnant le vice-président qui débarque et qui carrément dit que Carlos Erkin, comme vice-président, il décide que son seul la casquette. Donc c'est déjà, encore une fois, deuxième vice. Et puis, après, premier vice là, par qui sont identifiés, c'est le fait que il y a pas de voulu appliquer décret depuis avant publication résultat. Et puis, vous voyez en contentieux, vous dites c'est un contentieux pour résoudre. Ok. Il y a dit qu'ils ont essayé de composer. Il n'y a pas respecté. Quand il a dit, mais qui j'aime BCN, en fait, il n'y a pas voulu respecter encore. Avocat nous, campé, il a dit, il n'y a pas d'accord. Et avocat pas nous, campé, je crois, avocat de l'autre parti, tout. Pas d'accord. Et ils sont partis. Et les alléas, ils ont quand même fait, ils ont continué, ils ont poursuivi leur démarche. Et puis, quand il a. Ils observaient à distance. Moi, et l'avocat, même dit, avocat, écoutez, retournez. Pour ne pas dire que le point noir du chaud. Et ils ont été sur place. Là, ils ont vivé, et t'es gagné, monsieur Polynis Kenol. Oui. Conseiller. Qui ont été récusés. Polynis Kenol, qui conseillait, et au niveau, et de Bayern, il pas là. Et là, nous vivons, c'est le ça que, et avocat, l'autre parti, hein, on a parlé de avocat parti, et défendre cela. Lui dit nous, que l'apprenons que il y a 6 alliés au niveau de CETA. Et là, c'était ma équipe grave qui a existé. Il a dit qu'il y a 6 alliés, et nous-mêmes, il y a ben nous 3 alliés. Là, on a dit, mais qui 6 alliés, ça? Quand on côté 6 alliés, il a dit non, parce qu'il a récusé M. Polynis Kenol, parce que M. Polynis Kenol n'a pas signé. Résultat préliminaire. Résultat préliminaire, là. Donc, s'il n'a pas signé, ça veut dire que c'est allié non lié, et moun qui te signe là, c'est allié ou dit. Donc là, nous avons un problème. Est-ce que des alliés qui pour l'autre parti, ça veut dire pour parti capable de gouverner contre nous, est-ce que alliés seraient capables de siéger? Là, il y a un problème. Il y a un problème même au niveau, un problème moral au niveau de CEPA. Problème d'éthique donc, aussi. Absolument. Parce qu'on voit un moral, un problème d'éthique, parce que où vini, avocat l'autre parti a pratiquement dit, et scellé. Il oui, il a un document, oui. Il écrit que, il y a même pratiquement, il y a 6 alliés. Parce que le monde qui signe, c'est allié. Donc là, nous avons un problème. Donc là, nous-mêmes, nous disons que nous récusons. Les 6?
nous récuser parce que yo c'est des monde qui étaient signé et si yo signé certainement le bras les garanties de signature. Oui, mais au préalable, c'est pas de préoccupation. C'est pas de préoccupation. C'est le fait que vous venez récuser un juge qui pas de signé, ou dit si c'est ça, et mon cas récuser pas yo à tout. Au départ, ou pas non, de non, problème? Non, nous demandez, nous posez des questions. Mm-hmm. Nous demandez, mais pourquoi il a été récusé? Et là, ça a dit nous, qu'il est récusé parce que, en suspicion de partialité. Voilà. Mm-hmm. Donc, si la suspicion de partialité, existe pour nous-mêmes, l'y valable pour l'autre et tout. Donc, l'y valable pour l'autre et tout. Donc, là, ça nous voit que le gros problème grave qui a passé là, ça veut dire que nous voit que est-ce que le problème éthique, ça n'a pas taré tout processus là lui-même. Et nous te disons ça dès le départ. Parce que si on te fait échantillonnage là, si on te au moins, bon, même échantillonnage, parce que lui marqué pour garder, et nous discutons bien 13 points. 14 points qui bien clair qui dit mais qu'il a un procès verbal bon. Mm-hmm. Et toutes 14 points ça yo reprennent encore dans un document qui était voyé le 20 écrit le 20 septembre qui bail tout point et dans point ça nous rendons compte que il y a 6 points qui ont pas respecté. Ça veut dire que centre de tabulation qui a dit que oui, il prend centre d'audit, non. Centre de tabulation qui pour le compter procès verbal yo. Et mm-hmm. Procès verbal la valide. C'est là qu'il répond à tout critère, ça. Alors, il y a l'autre aspect pour nous rentrer plus un petit peu dans le fond de préoccupation et, t'as qu'à dire motif contestation, non, hein? Est-ce que, dans le fond intérieur, Jude Célestin, si, j'en ai souhaité que le tribunal, là, lui traite question, hein, que l'ta voyé dans sa tabulation pour une réévaluation procès-verbaux, et éventuellement aussi même recomptage, est-ce que dans le fond intérieur, vous pensez que, y a qu'à invalider préliminaire qui gagne là, comme si nous t'avons l'autre résultat? Non, c'est moi sûr de ça. Sûr de ça. Écoutez, j'ai mon art. Nous sortons et gagnons préliminaire qui sorti là, qui a tort. Moi, ajoutez-le, à tort. Je dis que c'est pas à raison. À tort, sorti un résultat qui dit qu'on sait que gagnons candidat qui gagne à 55% dans préliminaire. On ne pas prendre 55% ça dans la rue. Population va prendre 100 lits. Comment on te voulait dire? Faut que tu aies une manifestation de joie qui accompagne oui, les gens de Bayon. Nous avons pris les réjouissances populaires. Mm-hmm. Nous avons pris les réjouissances populaires. Il t'a ton plébiscite. Mes amis, parce que là, nous, c'est l'inverse qui produit. Ça veut dire nous, que la police oblige à bloquer le quartier populaire côté Mounagé. Pour que nous ne pas sortir pour dire pas de voter Mounza. C'est extrêmement grave. Mm-hmm. Ça veut dire, c'est, la police oblige à bailler mon bâton. D'ailleurs, nous profiter pour nous dire sympathie, non, à deux Timon Delma, deux qui mourit en bagazio. Donc, c'est ça qui a passé. Ça veut dire que mm-hmm. nous-mêmes, nous, ouais, que c'est il y a son oppression, son répression terrible qu'a fait dans le quartier populaire. Mm-hmm. Semaine, ça, ils font lâcher tout petit, mais ils ont fait une semaine vraiment à maspiner moun nan kati populaire yo, kembe yo la pou yo pas sorti, c'est-à-dire c'est contenu kati populaire pou yo pas sorti. Colère. Alors, et est-ce que indirectement vous l'avez dit que c'était, et malgré, en apparence, nous t'ayons l'impression son bonne élection, mais c'était une vaste opération de fraude, c'est ce qu'on a envie de dire? Écoutez, nous dire, puisque nous faisons contestation et nous montrer nos bails de preuves dans contestation. Mm-hmm. Et puis écoutez, pourquoi tout ce, pour qui ça tout bagay ça? Pour qui ça yon pas qu'à dire, ok, ben, comme ou te dim que m'a réglé ça dans contestation, contrôle de qualité, et ou conscient que ou pas fait contrôle de qualité, puis se gagner, yon pas même prendre un échantillonnage, yon retiré, gros 22% peut parler de lui, mais ces 22% yon retiré. Mm-hmm. Ça veut dire ces 22% yon juste ouais, à travers plastique, là, yon dit, ah, ça a pas bon. Et dans 22% ça yon créé, ouais, c'est 10 ou 12% que yo carrément met en quarantaine, reste yo été recomptabilisé. Donc ça veut dire sous 78%, ça équivaudrait à presque 40% de problèmes qui t'a éventuellement gagné. Donc pour qu'ils soient pas fait contrôle de qualité alors qu'il est obligatoire et contrôle de qualité à parler de et il parlait de non seulement liste d'émargement parce que faut mon ancien dans liste d'émargement, faut parce que moi même moi t'as voté moi qui jamais voté.
et lui parler de même feuille de comptage pour mettre là-dedans. Est-ce que jusqu'à côté bagarre arrivé? Donc, qu'on y a pour qu'ils soient pas venus là-dedans. Si vous, si vous n'avez rien à cacher, c'est ça. Eh ben, c'est ouvrez ça. Vos portes. Alors, là où scrupule. Et dans respect loi, respect décret électoral, même pas le poser une petite question un petit peu plus personnelle, qui peut être pas liée à la loi, et ça n'a pas dit, là, n'a pas fonti retirer. Est-ce que d'après vous, et Jude Célestin, peut-être ça gagne, et qui peut être fondé, et position, journée, jodia, l'IPA, plus lié à des irrégularités qui inhérent à système et nous gagne là qu'a organiser élection peut-être que des monde qui pas de mauvaise foi mais qui pas bien formé qui mal rempli ou bien gens pour fait est-ce que fondement question non est-ce que son bagaille qui lié avec impréparation légèreté négligence donc irrégularité ou bien est-ce que vous pensez son bagage caractérisé ça veut dire c'est délibérément comme si n'a été choisi de moun pour te et fait bon dirigisme électoral tant pour yoté gagne un moun yo envie favoriser c'est sentiment intérieur moi-même moi pense que gagne une volonté réelle pour te arriver côté arriver là pour faire ça faire là peut-être que je me trompe. Eh ben, quittez-moi, prouvez-moi que je me trompe. Bon, accès à centre de tabulation, hein. Ben, nous, accès à centre de tabulation, hein. Nous-mêmes, nous pourrons le garder. Et nous pourrons le constater. Est-ce que c'est vrai, ça dit, hein? Est-ce que c'est pas vrai? Et si ou pas vrai, ça va le permettre de nous réparer le problème, ça. Qui va le permettre de nous réparer? Parce que tout ça dit, là, effectivement, nous, c'est que gros problème de procédure, gros problème de, et qui n'en font question, hein, au niveau des gens, au fait élection. C'est clair qu'il y a un problème là. Mais seuls gens pour nous capables de réparer, eh bien, il faut faire l'audit de tout ça, il faut regarder, il faut que nous ayons accès pour nous garder. Bon, nous faisons le travail que le centre de tabulation hein, dit que le pape doit faire, qu'il doit faire. Ça veut dire pour nous faire travail pour nous comparer les listes d'émargement au et pour ces verbaux. C'est ça que nous besoin faire. Donc ça veut dire que si vous n'avez rien à laisser qu'on y a moi-même, pendant que nous avons des doutes, qu'on y a commencé à avoir des certitudes, le moins que y a mené nous nan un point côté que et yo dit tout de suite que moun ki pa tien yo non bon et puis moun ki te tien non l'autre bord donc là ça me commencer dit ah là c'est du sérieux et à nous scénario Jude Célestin que yo pas accédé à demande nous que BCEN et finalement nous arrivé le 29 et donc résultat qui est définitif qui proclamé et qui pas t'a changé par rapport à sa préliminaire. Quelle sera alors l'attitude de Jude Célestin et de la paix? Pas croire que CEPA ouais m'a pas accordé certains crédits. Je ne pas croire que CEPA veut mener pays à côté ça, pas croire ça. Je crois que CEPA comprend que ils ont responsabilité vis-à-vis de population, ils hein, ont responsabilité vis-à-vis de pays, hein, parce que quand même, je suppose qu'il y a des monde honnête, je suppose peut-être tout honnête, et ne pas les croire tout à malhonnête, ou bien un groupe de monde qui est malhonnête. Ah ben non, ne pas les croire ça. Un nouveau scénario que pour me prêter propre mot, même s'il pas forcément de moi-même, que yo t'a malhonnête et que yo t'a publié le constat. Non pas faire ça, ce serait une insulte. Ce serait une insulte à eux, à leurs enfants, à leurs époux, à leurs épouses. Non pas faire ça. Non pas parler là. Non pas parler là. N'a dit que il faut que yo réfléchisse à qui côté amener le pays, tout simplement. Alors, est-ce que m'connais ou toujours fait l'objet, m'ta cap dit d'un pile convoitise et c'est pas jodi à seulement depuis dans l'élection Gren Soulier qui était supposé faite l'année dernière, mais qu'on entend pile en bas en pile pression communauté internationale, jodi encore ou vinn trouver au cœur dans l'autre problème, est-ce que ou gagnent m'ta cap dou des appels en ce sens des moun cap dou bon Jude en ouais s'il a sauvé pays etc. et pour jeter l'éponge, est-ce que ou gagnent des sollicitations de ce genre? A toujours gagné sollicitations de ce genre, mais sauver pays, hein, c'est pas enfoncer pays à dans la mafia, c'est pas enfoncer pays à dans le chemin qui a mené nous vers un état narcotique. Non, il faut que nous soyons sérieux. Nous ne pouvons pas rentrer dans une question de sauver pays en acceptant l'inacceptable.
Ça veut dire. Est-ce que c'est une position inébranlable? Ça veut dire que, ou presque convaincu que pas gain chance pour rentrer dans quelle négociation que tu as débouché sous confirmé résultat préliminaire. Nous te dis, nous voulons que nous sommes leaders, nous voulons que nous sommes leaders. Nous gagnons des responsabilités en tant que leaders et nous te dis, nous pas dit le. Nous pas prêts à faire négociation. Il y a pas qu'une question de Jude Célestin sauver Tipoli. Nous t'ai dit, les gens nous ont dit. Jude Célestin va venir sauver Paul. Jude Célestin veut, d'ailleurs, on peut remarquer, monsieur Metellus, que moi pas qu'un côté dans le document que moi dit que moi gagne, ou bien que moi perdu. M'bat jamais dit ça. M'bat jamais dit premier, m'bat jamais dit ça. Moi dit que c'est pour rétablir la vérité. Scrutin. C'est ça l'on fait. Donc, oui, mais est-ce que ou pas qu'on n'a pas dit inquiétude et dont certaines lassitudes de ni pays hein, ni communauté internationale là par rapport à des élections qui pas jamais qu'a fini et que journée jodi c'est comme quoi dire même s'il pas de bon ça bon mes amis n'a pas obligé boel parce que nous pas qu'à retourner dans même processus là encore dans même problème yo dans même tracas yo et éventuellement pouvoir de transition etc. Donc ou pas craindre que facteur ça et lassitude là pas jouer contre nous même. Oui, mais ces résultats, si, écoutez, lors font bataille politique, lors font bataille sous base conviction, lors font bataille pour pays, ou pas fait pour bouquet. Mm-hmm. C'est ou bien son militant ou bien pour un militant. Sous pour un militant, rentrer dans le bureau, elle fait son habitué fait. Si c'est politique, quoi, faut quitter tout ça fait pour venir faire politique, bon, on responsabilité, et vous avez des gens qui ont voté pour vous. Ou bien des monde qui accompagnent vous, ou bien des monde qui aident vous, ou bien des monde qui travaillent avec vous, ou bien des monde qui croient. Dans sorte pote à comme projet. Ou gen des moun ki pa vle ça que se passe dans 5 ans ou passe encore dans pays an. Qui pas d'accord. Il gen des moun ki pa vle que son que qui soit dirigé par un mafioso. Gen des moun ki pa vle ça. Gen des moun ki vle que nous gon pays qu'on nous mène dans un pays. Gen des moun ki vle pour nous aller pour nous changer cité sur les gens là. Gen des moun ki vle pour nous changer grand ravine, pour nous changer dans petit bois, pour nous changer tout ghetto yo. Gen des moun ki vle ça tout bon. Il y a des gens qui veulent que nous baillons les paysans, on l'a déjà pour vivre. Il y a des gens qui veulent que nous baillons les pays à l'autre logement. Il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des gens qui veulent ça. Ce n'est pas un monde comme souvent, on investit, et puis on achète, on quelconque question, on paye ici, tout faire. Non! Mm-hmm. Qui voulait que nous fassions pays. Mm-hmm. Moi-même, moi, je fais partie de Mounzaïo. Et pas toujours fait partie de Mounzaïo. Ok. Tout à l'heure, et même j'avais, où t'es reconnaître que, façon on a fait élection en Haïti, yo pas bon, et que système ça désuet, et qu'elle favorisait fraude, et magouille, etc. Donc, est-ce que ça voulait dire qu'aux partisans, que nous t'a introduit le vote électronique? Moi, partisan que introduit tout type de vote qui fait que nous gagnons élection. Moi toujours expliqué chaque fois m'a parlé, m'a toujours dit moi pas d'accord pour mon abdi élection et démocratique et transparent, honnête, sincère, tout à fait. Écoutez, et c'est monde qui gagne non et qui gagne là-dessus. Les mots ce sont des substantifs, vous voulez dire ça, vous voulez dire élection, vous voulez dire tout ça. Mm-hmm. Tout reste de bois ajouter le DL ou soumettre dame. Élection c'est élection. Moi-même, moi, je voulais joindre technique. Moi, je voulais que nous appliquions tout type de technique qui permettent que nous gagnions des élections. C'est ça lié. Que ce soit électronique, que ce soit n'importe qui j'en lia, mais il faut que nous fassions que monde qui a organisé, que c'est dans monde qui est dans le bureau de vote, monde qui est dans le bureau électoral, monde qui est dans le bed, monde qui est dans le bed, que yo capable. Mm-hmm. Gain moins manipulation de résultats, ce serait encore plus intéressant. Alors, dans nous trois parties qui contestaient préliminaires, yo, gain, dans nous qui choisit même voie, la voie légale, la voie BCD, BCN, mais en même temps tout, yo accompagné l'antidose là, oui, des fois là, oui, a qu'on gagne, ti mauvais coup, ti vite crasé, etc. Ou même qui position par rapport à manifestation de rue, etc. Et puisque moi, dit le plus dans BCD, BCN, que manifestation de rue. Manifestation de rue, c'est une forme d'expression populaire. C'est ça au besoin pour dire mais ça au senti, mais ça au voulu. Donc nous-mêmes nous te dit population, faut le mobiliser dans la paix. Ça veut dire nous pas besoin de faire violence.
Cependant, il y a toujours monde qui va entrer, qui va infiltrer les manifestations pour faire des ordres. Mais nous-mêmes, nous, dans la rue à tout, nous présents avec l'autre parti, c'est sûr que les partis qui contestataires n'ont pas fait une alliance, contrairement à ça, puis mon avis, il n'y a pas eu d'alliance entre les partis contestataires. Cependant, moi, je crois que... Mais nous pas ennemis non plus, tout. Ils n'ont pas ennemis, c'est clair. Ils n'ont pas ennemis parce qu'ils sont peut-être de même secteur, là, entre guillemets. Mm-hmm. Mais, basio, entre eux, ils entendent eux. D'accord. Alors, et Gilles Céleste, et non, élection 2010, nous t'avons dit que Jude était le chouchou du secteur privé des affaires. Mais je ne veux dire, son l'autre réalité, puisque si nous avons gardé son milieu, presque à 90% qui était soutenu et candidat et PHTK. Grand pile critique vis-à-vis des secteurs, ça, parce que vous-même, vous avez parlé de mafieux, de dealers, etc. C'est monde, ça, vous avez besoin d'être sous pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est choix, ça, secteur à faire, fois ça? Bon, ça, monsieur Metellus, autorisez me dire que c'est secteur où t'as posé question. Moi-même, je dis. L'es-tu pas ou par rapport à l'air, yo? Attendez, où dit 90%, moi-même, bien heureux, que quand même, il y a 10% là-dedans, yo, qui pas seul. Donc, en nous été, parce que peut-être que pays nous voulait construire, hein, peut-être que c'est qu'on s'en l'a construit. Mais, quel que soit ça, au fait, pays nous voulait construire la construction. Oui, alors, moi, je voulais prendre revendication, et ça me tendait dans la rue, des mouns qui disent son secteur rétrograde, qui anti-progrès, qui voulait garantir privilège tête paillot, qui contrebanio, qui ici, qui l'autre bord. Est-ce qu'on souscrit ou à discours, ça, hein? Et est-ce que, ou quoi, qu'effectivement, c'est pas deux mouns, et qui font choix, et dans bataille politique, là, juste pour y arriver vers la modernité, le progrès, le changement, ou bien son bagage qui visait garantie au privilège. Privilège nanti toujours gain ici, et que nous pas senti dans la rue, puisque soit gardé le panier de la ménagère, élément de la classe moyenne, nous t'as cap dit que son pays cap n'est pas fini, qu'il y a plus monde pauvre chaque jour, puis plus, et richesse là, la concentré dans mes anti-groupes monde chaque jour, puis plus. Est-ce que réalité ça, que yo dénoncé, ou pas retrouvé la donne? Moi retrouver oui et non. Ça veut dire que nous gagnons un secteur qui lui-même se rangera toujours du côté du pouvoir. Ça veut dire que yo doit penser dans tête que gagne un monde qui est plus facilement manipulable qu'on l'autre. Et puis il y a la veille. Nous-mêmes nous dit que personne ne va le manipuler nous. Nous ouvert bras nous bail secteur privé, nous ouvert bras nous bail tout le monde, mais nous dit que pays a pas gagne un c'est pour un camion qui gagne place devant seulement pour monde et puis derrière nous voyons tout le monde là-dedans et si camion ça crase tout le monde a mouru. Donc nous dit que nous-mêmes nous croyons que pays d'Haïti son pays ou capable secteur privé ou enrichi ou bien travail pour capable gagner son gain yo, mais gros l'arrivé plus soit pas pauvre population moins soit bien pour faire moins soit capable faire. Donc il faut que gros côté pour nous ouvrir mais nous pour population jeune. Donc cette manipulation, cette idée de manipuler un quelconque dirigeant, ou bien le fait qu'on a manipulé un dirigeant parce qu'on a carré le téléphone ou dit mon chemin ça me bloque, un débat pour quoi ou pas le faire, me bloque, une élection graine sous ou pas le faire. Peut-être que Jude Célestin va pas dans la dynamique ça. Pendant que Jude Célestin est respecté, puisque moi-même tout, moi fais partie de secteur privé, puisque j'ai activité PAM, activité personnelle, mais c'est pas avec personne qui travaille. Donc moi voulais que nous faisions et rapport, établi des rapports d'égal à égal pour nous parler, pour nous discuter. Deux dernières petites questions, vas-y. Bon, même c'est pas un bagage ou pire, mais que ça. On est qui extrêmement réservé, même qu'on dit vous timide tout. Et deux dernières petites questions. Et première, est-ce que pour vous, et le message c'est que les élections ne sont pas encore terminées? Non, les élections sont loin d'être terminées. Les élections sont soit avec l'idée électorale, alors pour que l'élection soit finie. Non, m'a parlé des étapes qui pour franchir, non, mais m'a parlé en termes de verdict, de décision connue, de identité prochain président pays, c'est dans ce sens ça, m'a parlé. Il faut qu'on sorte. Ça, c'est clair que le beaucoup. Il faut qu'on connaisse. Non, il faut qu'on connaisse. Et CEP par prendre des décisions. Naturellement, nous très pintades, nous veillons,
parce que yo dit que gen 6 moun nan CPA qui s'allier yo, donc t'a payé yo et puis n'a contrôlé. Donc nous remercier Radio Caraïbe, nous remercier Jean Monor. C'est nous pour remercier. Et nous saluer encore une fois partisans nous yo, nous qu'on est cap mobilisé et n'a dit continuer mobiliser. Merci, merci infiniment Jude Célestin, candidat à la présidence de la paix, qui est arrivé en deuxième position dans les résultats préliminaires publiés par le Conseil électoral provisoire, qui était en ligne avec nous. On a fait le tour de tout sujet. Moi, c'est qui a agité l'actualité électorale, l'actualité politique ces derniers temps. En clair, ce qu'on peut retenir c'est de tout ça, c'est que Jude Célestin apparemment n'est pas disposé à entrer dans quel consensus qui t'a visé pour maintenir résultat te gen la yo et livler aller jusqu'au bout dans sa bataille. Qui sa bataille la yé, c'est obtenir du BCEN et m'tarab dit le droit pour la partie accusatrice pour yo joindre yon réévaluation au niveau du centre de tabulation, parce que dans l'esprit pa yo dans pile irrégularité assimilable même à des fraudes qui auraient été enregistrées dans l'élection, ça que tout le monde t'a félicité, et que c'est après vérification en profondeur, et que ça peut-être prendra le temps qu'il faut, même s'il ne l'a pas dit, et qui s'est passé dans jout électoralio. Donc Jude Célestin qui est ferme à la barre, inébranlable, qui n'est pas disposé à lâcher prise et qui engagé avec ses avocats dans ce combat pour yo obtenir la vérité sur ce scrutin. N'a pas l'observé pose là, n'a pas tout à l'heure.